Les forêts vosgiennes et franc-comtoises se meurent. Au banc des accusés, les plus acides. Cette pollution a déjà causé de nombreux dégâts dans d'autres pays industrialisés comme l'Allemagne, mais c'est en Grèce et en Italie que des mesures énergiques ont été prises pour limiter les dégâts, avec notamment l'époque catalytique, mais surtout l'interdiction d'utiliser une voiture particulière un week-end sur deux. Pour la première fois en Franche-Comté et dans les Vosges, cette mesure sera appliquée dès le week-end prochain. C'est la plaque minéralogique de votre véhicule qui servira de repère. Une semaine, ce seront les numéros pairs qui pourront partir en week-end. La semaine suivante, les numéros impairs. Un ensemble de mesures qui ne fait pas l'unanimité chez les usagers. Ah non, pas normal, hein. Pas du tout. C'est scandaleux. C'est trop ? C'est pas normal. Pourquoi pas ? Vous trouvez que c'est normal ? Non. Faut s'habituer. Non, c'est pas normal. C'est pour uniquement limiter la pollution. Est-ce que vous pensez qu'il y a... Très bien, le problème c'est aussi chez nous en Suisse. Hein. Vous êtes suisse et oui. Ça se fait déjà en Suisse ? Non, pas encore, mais on a eu une situation il y a 10 ans. C'était interdit le dimanche de rouler. Mais là, on s'est habitué aussi à cette situation-là. Hein. Donc il faudrait peut-être faire une fois l'essai, pourquoi pas ? Totalement absurde. Il faudrait voir la chose. Hein. Ah non, pas du tout. Non. Complètement inadmissible. Enfin, ça me dérange pas, remarquez, j'ai pas de perme la semaine prochaine. J'en ai une la semaine d'après. Donc avec un peu de chance, si ça tombe bien, ça devrait aller, mais enfin... Non, ça me dérange pas. Est-ce que vous trouvez ça normal pour limiter la pollution ? Ah ben non, non, moi celui qui veut rouler le week-end, moi je trouve ça tout à fait normal qu'il roule le week-end. Voilà. Complètement aberrant. On est un pays démocratique, on peut faire ce qu'on veut. Enfin, surtout quand on est dans nos droits. On paye l'assurance, on paye la vignette, on paye déjà l'essence assez cher. Et franchement, je trouve ça inadmissible. Mais ça se fait déjà en Italie et en Grèce, hein ? Ah bon ? Je suis même pas au courant. Écoutez, venez pas me raconter des conneries, s'il vous plaît. Moi, je suis en France, je travaille, je suis ici depuis 5 ans, je m'excuse, je suis venu ici bosser. Je n'admets pas du tout ce genre d'histoire. Parce qu'on a déjà fait l'essai en Italie. En Italie, ça n'a pas marché. Je vois pas pourquoi dans un pays comme la France, un pays qui est soi-disant civilisé, par la misère, je ne peux pas admettre ce genre d'histoire. Je ne peux pas admettre. Notre région servira donc de test national. N'oubliez pas, ce week-end, les voitures avec un numéro impair ne devront pas rouler. La police a déjà reçu des directives.